Dans l'arc Wano Kuni, on a découvert de nombreux personnages, et on a eu de nouvelles informations sur des personnages que l'on connaissait déjà. C'est un arc primordial afin de comprendre des choses sur les poneglyphes, le siècle oublié, l'histoire de Wano Kuni, et par conséquent, le monde de One Piece. Des plans sont mis en place dans différentes organisations pour atteindre des objectifs spécifiques. On va s'intéresser à deux personnages qui ont été introduits à Wano Kuni et dont on ne connaît pas encore le rôle précis. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 675 millions de BRI. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux personnages qui semblent avoir une certaine importance dans l'arc Wano Kuni, mais dont on ne connaît pas encore le rôle précis. Mais de qui vais-je parler? Vous découvrirez ça pendant la vidéo. Hop, watch time, hop, un maximum d'argent. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, objectif 700 millions de BRI. Et aussi, pour ceux qui l'ont pas fait, c'est la première fois que je demande, je suis un peu stressé, mais activez la cloche pour avoir toutes les notifications. Ouf! C'est bon, c'est dit. Allez, sans plus attendre, on peut commencer. Tout au long de l'arc Wano Kuni, de nombreuses identités secrètes nous ont été révélées. Pour les personnages venant directement de Wano Kuni, nous avons eu Shutenmaru qui a été introduit comme un criminel. Nous apprenons qu'il était bel et bien un criminel à l'époque, mais qu'il est devenu un disciple d'Oden. Il s'appelle en réalité Ashura Doji, et s'est fait appeler Shutenmaru lorsqu'il est redevenu criminel. Il fait donc partie des 9 fourreaux rouges. Ensuite, nous avons eu Tonoyasu qui a été seulement présenté comme un habitant du village d'Ebisu et le père de Otoko. Nous apprenons lors de son exécution qu'il est en fait l'ancien daimyo de la région d'Akumai et qu'il s'appelle en réalité Yasue. Nous avons également eu Kyoshiro qui s'est révélé comme étant Denjiro, un des 9 fourreaux rouges et donc un allié du clan d'Oden Kozuki. Une révélation très importante étant donné qu'on nous l'a introduit comme étant un chef yakuza au service d'Orochi et donc faisant partie du camp ennemi. Gyukimaru est aussi un personnage dont on a appris la réelle identité. Il a vécu avec Kawamatsu et l'a aidé à se battre contre les pilleurs de tombes. Kawamatsu s'est donc fait appeler Gyukimaru du pont du Malandrin. Après la disparition de ce dernier, Onimaru a finalement décidé de prendre le surnom de Gyukimaru. Komurasaki a été présentée comme étant une femme avide et matérialiste. Cependant, on a appris qu'elle jouait un rôle et qu'il s'agissait en fait de Kozuki Iyori, la sœur de Momonosuke, et donc la fille d'Oden Kozuki. Kanjuro, qui était un des vassaux d'Oden, s'est révélé comme étant un traître et un héritier de la famille Kurozumi, tout comme Orochi. Et en dehors des personnages introduits à Wano Kuni, nous avons découvert le secret de certains personnages, et notamment des supernovas. Scratchman Apu est en fait un allié de Kaido et a trahi Kid, Killer et Hawkins. On apprend aussi que Jess Drake fait partie de l'unité Sword, une force spéciale secrète de la marine qui a pour but d'arrêter les Yonko. Et enfin, on a appris que Kamazo était en fait Killer, le bras droit de Staskid, et qu'il a mangé un Smile, un fruit du démon artificiel. Mis à part tous ces personnages, il y a deux personnages qui ont été introduits au tout début de l'arc Wano Kuni, et il est bien possible qu'ils aient un rôle très important. Tenguyama Itetsu est présenté comme un forgeron qui vit en compagnie de Otama dans les ruines du village d'Amigasa. On a appris qu'il est le descendant de Kotetsu, un forgeron légendaire. Kotetsu est connu pour avoir forgé l'épée maudite, le Nidai Kitetsu, un des 21 sabres au Wazamono. Il est bien possible que Itetsu ait un rôle très important pour l'arc Wano Kuni, et notamment pour faire vivre la volonté des Kozuki. L'histoire du siècle oublié, l'emplacement des armes antiques et l'emplacement de Lovetail sont inscrits sur les poneglyphes. Ces mystérieux blocs sont taillés par le clan Kozuki. Cette famille s'est transmise de génération en génération le secret du langage des poneglyphes. Chaque héritier de cette famille connaissait donc la technique d'écriture du langage sur les pierres. Cependant, Oden Kozuki n'a pas pu transmettre cette connaissance à Momonosuke. La seule personne connue pouvant déchiffrer les poneglyphes est Nico Robin. Ainsi, elle ne connaît pas la technique permettant de graver du texte sur les poneglyphes. Il est bien possible que la seule personne capable d'apprendre cette technique à Momonosuke soit Itetsu, ce grand forgeron reconnu et héritier d'un forgeron légendaire. De plus, lors de son introduction, nous avons pu voir qu'en plus de cette profession de forgeron, il collectionne les poupées Kokeshi, et ce n'est pas un élément laissé au hasard. En effet, Robin, lorsqu'elle s'est infiltrée dans la pièce du poneglyphe dans le château de la capitale, on pouvait voir ces mêmes poupées Kokeshi. C'est possiblement un indice montrant que Itetsu est capable de maîtriser la lecture et l'écriture des poneglyphes. Il est très important que Momonosuke connaisse cette technique afin de graver son histoire et faire perpétuer la volonté de son père et de tous ses ancêtres. Ça explique pourquoi Itetsu se cache dans les ruines d'Amigasa, malgré que le village ait été détruit par Jess Drake. Également, il cache son identité grâce à un masque de Tengu. D'ailleurs, dans le folklore japonais, le Tengu est considéré comme étant un protecteur, un masque qui serait donc plutôt symbolique, et on aurait encore une fois ce rôle de protecteur de la volonté des Kozuki. Enfin, on apprend que Itetsu et Otama attendent le retour d'Ace. Ce dernier s'était rendu à Wano Kuni et a aidé les citoyens en se faisant prisonnier pour leur donner de la nourriture.
Tout comme Yamato, la fille de Kaido, ils attendaient possiblement Ace comme étant un potentiel sauveur du pays. Et Itetsu devait savoir que 20 ans après la mort d'Oden, il se passerait quelque chose d'important pour Wano Kuni. Aujourd'hui, on arrive enfin à ce moment tant attendu par les vassaux d'Oden. Et contrairement à ce que pensent Yamato, Itetsu ou encore Otama, ce n'est pas Ace qui arrivera, mais Luffy, son frère spirituel. On peut donc passer au second personnage mystérieux. Qui est-elle? Pourquoi est-elle cachée avec Itetsu, qui semble la protéger, et qui sont ses parents? Je vais directement entrer dans le vif du sujet. Et si Otama faisait partie du clan Kurozumi? Et oui, c'est sûr, Orochi a les cheveux violets et Otama a aussi les cheveux violets. Voilà pour cette théorie, si elle vous a plu, NON! C'est un indice, mais il ne faut absolument pas se fier aux couleurs des cheveux, surtout à Wano Kuni, et je pense que vous savez pourquoi. Pour cette petite théorie, je vais vous replacer dans le contexte. Il y a longtemps, le shogun de Wano n'avait pas d'héritier. Les daimyo se battaient pour la succession, et le clan Kurozumi a mis en place un plan afin d'empoisonner ses rivaux et ainsi être le seul successeur. Mais ce plan a été découvert, et le clan Kurozumi a été contraint de se suicider par Arakiri. Cependant, la famille Kurozumi a quand même réussi à prendre le contrôle du pays, et ainsi, il existait encore des membres de cette famille. Pour les citer, il y a Orochi évidemment, mais aussi Higurashi, Seminaru et Kanjuro. Cela implique que certains ont réussi à survivre. Ainsi, pour relancer la volonté des Kurozumi, Orochi aurait eu une fille et cette fille ce serait Otama. Orochi a donné un fruit du démon à Kanjuro pour qu'il l'aide. Étant extrêmement égoïste, il aurait pu donner des fruits du démon pour son intérêt personnel. Par exemple, Seminaru qui a le Baribari no Mi servirait juste à le protéger, et Higurashi qui avait le Mane Mane no Mi lui a servi pour tromper le père d'Oden et ainsi lui permettre d'avoir un emploi au sein du château. Il est bien possible qu'il ait donné un fruit du démon à Otama pour atteindre un certain objectif et ça expliquerait pourquoi une si jeune fille a déjà un fruit du démon. Le fruit du démon de Otama permet de créer de la nourriture en pinçant sa joue. Cette nourriture est capable d'apprivoiser les bêtes sauvages et également les humains qui ont mangé un smile. C'est ce qu'on a vu avec Speed par exemple. Ainsi, ça donnerait un argument supplémentaire car ça démontrerait clairement l'objectif d'Orochi. À Wano Kuni, la seule personne au-dessus de lui, c'est Kaido. Et grâce à ce fruit du démon permettant de contrôler les animaux, il pourrait apprivoiser la plupart des membres de l'équipage aux 100 bêtes et donc essayer de surpasser Kaido. Imaginons qu'Otama soit une Kurozumi, ce serait l'occasion parfaite pour recréer des liens entre la famille Kozuki et la famille Kurozumi. Momonosuke et Otama s'allieraient et ce serait un renouveau pour l'histoire du pays. Voilà pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Une nouvelle collection spéciale Wano Kuni est sortie sur ma boutique, n'hésitez pas à aller voir, ça pourrait vous intéresser. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!